toute l'équipe est heureuse d'être à vos côtés en ce début de semaine pour vous accompagner pendant 2 heures de direct au 39-21 qui est le standard d'Europe 1. 2 heures pour parler de soi mais aussi de nous tous finalement, car il y a forcément un moment ou un autre où on se retrouve dans un témoignage évoqué à l'antenne. La ligne est ouverte au 39-21 jusqu'à 1 heure. Vous y serez accueillis ce soir par Assiba et Justin, avec la complicité de Fabrice Fougerouze qui réalise l'émission. Et pour tous vos commentaires, toutes vos réflexions, vous avez les courriels sur le site europe1.fr. Vous avez également à votre disposition les SMS au 7 21 21, code nuit. 39 21, je vous attends. Jusqu'à 1 heure sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir André. Bonsoir Caroline, quel plaisir de vous entendre. Mais c'est parti. Voilà, j'ai eu Justin qui vous a fait une petite synthèse, je crois. Oui. De ce qui me pousse à vous appeler. J'ai souvent eu envie de vous en parler, de vous écrire, mais j'ai très peu de temps. Alors, vous ne voyez plus vos petits-enfants, mais alors, c'est votre fils est en instance de divorce, hein, oui, actuellement. Oui, tout à fait ça, oui, tout à fait, depuis maintenant 3 mois. D'accord, donc vous ne les voyez plus depuis quand, vos petits-enfants ? Ou bien, disons que depuis... C'est récent, donc. Depuis 2 ans, le travail de SAP a commencé, parce que, bon, ma belle-fille... pendant des années, a essayé de me manipuler contre mon fils pour l'isoler, puisqu'elle l'a isolé de tous ses amis. Et puis, elle voulait également qu'il le soit de ses parents, quoi. Elle le voulait sous sa coupe. Et disons que nous, dans son esprit, on est la cause de la séparation, voilà. Parce qu'elle n'admettait pas que notre fils unique soit souvent chez nous, d'ailleurs, dans un premier temps, parce qu'il travaille avec son père. Hein, donc ça, c'est déjà une première raison. Et qu'il avait des liens, il a des liens très forts avec nous, quoi. Et elle le voulait tout à lui. Donc déjà depuis, je dirais bien 12 ans, alors dans 12 ans qu'ils sont mariés, depuis 8 ans environ, déjà... Il y a eu un travail de manipulation par des harcèlements au téléphone, par des chauds, des froids, souffler chaud le froid, parce que comme elle savait que je m'occupais de ses enfants, parce qu'elle a eu besoin de moi les premières années, puisqu'elle ne s'entendait pas avec ses parents. Et en fait, si vous voulez, elle me disait de temps à autre, au moment des vacances, elle déversait son venin, et puis... Bon, je prenais les enfants, mais c'était toujours « oui, mais tu passes par ton fils, tu t'adresses pas à moi ». Enfin bon, ça a été une persécution en quelque sorte. Hein, pour moi, c'est une délivrance pour mon fils et ça en sera une pour moi aussi. Mais maintenant, mes questions précises que j'ai à vous poser, c'est, puisque c'est imminent maintenant, dans un mois ou deux, le divorce sera prononcé, je voudrais savoir par rapport à ma petite fille qui a 11 ans, et qu'elle manipule aussi, puisque ma petite fille a été fusionnelle avec moi, puisqu'elle manquait d'affection auprès de sa mère, malheureusement, hein, parce qu'elle ne s'est pas donnée d'affection, elle manipule, et elle a fait des cauchemars récurrents, etc. Donc, elle était fusionnelle avec moi, et donc, si vous voulez, en éprouver une jalousie incommensurable, si vous voulez. Bien que je faisais exactement ce qu'il fallait, je crois, dans mon fort intérieur, pour toujours lui parler de maman, de la rassurer, lui dire si, mais bon, ça, c'était sa réaction à elle. Et maintenant, elle l'a pris sous sa coupe et la petite nous rejette, me rejette complètement et commence à rejeter son père aussi. Et le petit, lui, qui a 3 ans de moins, lui intériorise et est très très mal parce qu'il se sent rejeté par sa mère qui s'occupait beaucoup de lui auparavant, qui maintenant s'occupe beaucoup de sa fille pour d'autres raisons. Et qui intériorise, et puis qui se sent très très mal, hein, si vous voulez. On sent qu'il est très très mal, donc ils sont déséquilibrés au bout de 3 mois de procédure, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je voudrais vous demander, par rapport à la petite, j'ai essayé de parler, et j'ai vite renoncé, parce que j'ai vu que c'était un blocage. Vous lui avez parlé de quoi ?
je lui ai parlé en lui disant que tout ça, pas lui parler, non, sûrement pas de ce qui se passe, mais en lui disant, tu sais, on t'aime toujours autant, papa, maman ne se parlent plus, mais ne se s'entendent plus, mais ça ne change pas ce qu'éprouvent les grands-parents, les papis, mamies, les pupilles, mémés. J'ai commencé avec un blocage complet. Donc, si vous voulez, là, c'est plus la peine d'essayer quelque chose, parce que je sens qu'elle s'est fermée, si vous voulez. Mmh. Et puis le petit ne veut plus nous embrasser, vous voyez, il met une capuche, il ne veut plus nous embrasser, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se passe, qui est tout le contraire de ce qui s'est passé jusqu'à présent avec nous, voilà. Alors, bon, je voulais vous demander quelle attitude avoir. Bon, avec eux, je vais vous dire comment j'agis, j'ai fait comme si rien n'était. Mmh. Et puis, j'ai renoncé à dire quoi que ce soit, même sans rentrer dans les problèmes, bien sûr. Et puis aussi, encore après, une autre question, c'est que ma belle-fille, qui s'était jusqu'à présent tenue, commence à me mettre en cause. Elle fait dire que sa fille raconte que je... Parce que je les vois quand même de temps en temps. Hein, mon fils les amène une heure, un petit moment. Alors, elle commence à raconter des histoires à sa petite. Et puis, elle dit à mon fils que je raconte. Enfin, bon, bref, ça devient insoutenable, quoi, hein, si vous voulez, parce qu'on sent que ça continue à manipuler maintenant, mais d'une autre façon, disons, envers mon fils, pour que lui croie que je raconte des histoires, vous voyez. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus trop comment faire. Pourtant, je m'étais quand même un petit peu renseignée, parce que j'avais bien vu qu'elle avait ce gros problème de manipulatrice et qu'elle m'en voulait énormément, puisque au fur et à mesure de ces années, j'ai vu ce qui se passait. Et puis mon fils, là-dessus, si vous voulez, au fil des années, il n'a jamais eu le courage d'ouvrir les yeux, parce qu'on sait bien quelqu'un qui est manipulé. C'était sa femme. Pardon ? C'était sa femme. Oui, c'est ce que j'ai dit, sa femme. Oui. Non, c'était. Vous dites qu'il n'a jamais eu le courage d'ouvrir les yeux. C'était sa femme, il avait construit sa famille avec elle. Ah, mais je l'ai bien compris. Je l'ai tout à fait compris. C'est bien pour ça. Et donc, je n'ai rien dit. Voilà. Écoutez, vous avez bien fait. Il avait construit sa famille. Bon, maintenant, écoutez, il doit être malheureux de ce qui se passe. Tout le monde est malheureux, les enfants en premier lieu. Donc. Les choses vont. Là, on est en plein au moment de la crise, du conflit, et il est important de préserver les enfants au maximum. Donc, les enfants, comme souvent dans ces cas-là, sont pris dans un conflit de loyauté, souvent terrible. Si effectivement vous dites que il y a un conflit ouvert entre vous, et c'est curieux d'ailleurs, ça devrait être entre les parents, mais finalement le conflit semble s'être déplacé sur vous et votre belle-fille, puisque, me dites-vous, votre belle-fille vous rend responsable de la séparation de leur couple. Donc finalement, elle vous désigne. Elle a beaucoup de certainement de haine contre vous. Ah oui, si elle pense mot. Bon. C'est le mot. Bon, donc partant de là, écoutez, voilà, c'est comme ça, et peut-être les enfants doivent entendre beaucoup de choses, hein, à 11 ans et 8 ans, comprendre beaucoup de choses. Oui, mais forcément, mais de part et d'autre. Hein. Donc, il est important que les adultes jouent leur rôle d'adulte. Il serait important, parce que malheureusement, ce sont toujours les enfants qui prennent dans ces histoires-là. Et que vous, en tant que grands-parents, comme vous l'avez dit fort justement, les papis et les mamies, les pépés et les mémés, ça doit rester pareil, c'est-à-dire que l'amour reste pareil, et que justement les grands-parents, ça devrait, dans ces cas-là, rester à l'écart de tous les conflits lors du divorce. Même si, évidemment, lorsqu'un enfant divorce, on a tendance à prendre le parti de son enfant. C'est légitime, sans forcément accabler l'autre. Bon, mais pas devant les enfants. Prendre le parti, ça veut pas dire dénigrer à tout prix l'autre parent. En tout cas, jamais devant l'enfant, parce qu'il faut. Jamais. Il faut toujours avoir en tête que dénigrer le parent, dénigrer un parent, c'est faire énormément de mal à l'enfant, puisque l'enfant aime ses deux parents. Hein. Oui. Donc déjà, le divorce lui enlève ses deux parents.
Oui. Puisqu'ils ne vont plus vivre ensemble et que oui, ça, c'est toujours douloureux pour un enfant. Ouais. Donc au moins papy et mamie et, ou pépé et mémé ou bon peu importe oui. comment ils les appellent, si en plus oui. il a la chance de les avoir tous les deux oui. sous le même toit, c'est peut-être là, ça peut être comme avant au moins quand il y va. Et, oui. et justement on n'arrive pas à ça, elle ne veut plus qu'on les voit. Mais bon, comme attendez, je sais bien qu'on dit attendez, le temps. Oui, le temps. Attendez, vous les arrivez quand même, continuez à les voir. Peut-être que cette votre petite fille, pour le moment, quand elle vous entend dire oui, c'est comme avant, elle vous fait oui, bon, oui. elle entend dire bah oui. On attend de voir, au fond. C'est-à-dire oui. qu'elle a 11 ans, elle a conscience à 11 ans déjà de beaucoup oui. de choses. C'est-à-dire, il y a les mots oui. et puis il y a les actes. Oui. Donc, au fond, à 11 ans, peut-être qu'elle se dit, elle a entendu des mots, des paroles, et puis qui n'ont peut-être pas été suivis d'actes. Et vous savez, en matière d'éducation, le meilleur modèle, c'est l'exemple. Tout à fait. Et je pense que de ce côté-là, sans vouloir me vanter, je n'ai jamais dit un seul mot sur sa mère devant elle. Jamais, jamais, jamais. Ça m'a coûté, hein. Ça m'a coûté parce que... Mais je savais très bien qu'on ne peut pas dire à un enfant du mal de sa mère, c'est évident, hein, même si on en pense... Certainement pas. Hein. Mais ouais. elle le sait ce que vous pensez. Bien sûr, parce qu'ils ont des antennes, les enfants. Bien sûr qu'elle le sait. Et c'est forcément difficile parce que c'est là où elle est prise et dans un conflit de loyauté. Parce qu'elle aime sa mère et elle vous aime aussi. Puisque oui, oui. vous m'avez dit qu'elle a une relation, elle a eu une relation très fusionnelle ah oui, avec vous. Bon. Bon, mais il ne devrait pas y avoir de compétition. C'est-à-dire que la grand-mère, c'est la grand-mère et la mère, c'est la mère. J'ai écrit à ma belle-fille plusieurs fois. Mais c'est compliqué quand les deux ne s'aiment pas. Oui, alors il faudrait peut-être lui dire, bon, oui, tu sais, parfois les histoires d'adultes, parce que plutôt que de, parfois de ne rien dire, oui, parce que quand même, je trouve que j'ai trop rien dit. Non, mais il s'agit pas de dénigrer, mais il s'agit non, pas de pas faire comme tout. Si, parfois non. le non-dit est pire. Mmh, donc il s'agit pas de surtout pas dénigrer, mais le non-dit non, peut être pire, de pas parler oui. du tout. Hein, oui, c'est-à-dire c'est que ça, je voulais lui parler. Oui. Alors après, on peut dire ben oui, en ce moment c'est compliqué, oui. c'est compliqué. Je sais que oui. ta maman m'en veut beaucoup. Oui. Bon, oui. Qu'on a une relation difficile toutes les deux. Mais tu sais, ça peut arriver, dimanche. Ça oui. peut arriver. Et puis oui. j'espère qu'avec le temps, eh bien, ça oui. va s'apaiser. Et puis, ben, même si on a eu parfois des paroles un peu difficiles, et j'espère qu'avec le temps, ça va s'apaiser. Parce que moi, malgré tout, tu sais, ta maman, elle a fait. Il y a une chose pour qui je, enfin, pour laquelle je lui suis extrêmement reconnaissante. Vous pouvez dire où c'est que oui. elle m'a donné deux et merveilleux puis, petits enfants. Oui. Oui. Vous pouvez, voyez, les ramener à eux, dire finalement, ta maman, ben, tu sais, finalement, malgré les différends qu'on peut avoir, et J'avais un peu l'intention de lui dire, mais bon, elle s'est fermée le dimanche. Oui, mais bon, sur le moment, elle peut avoir l'air de ne pas entendre, et même à votre petit-fils, hein, d'ailleurs, qui lui oui, a l'air justement. De moins entendre, il dire. Mais il entend tout, il comprend tout. dire finalement, oui. Le jour de votre naissance, à tous les deux, ça, oui, ça a été ça. Un cadeau oui. merveilleux. Et ça, oui. Elle restera oui. toujours. Voilà, pour moi, c'est grâce. C'est un cadeau oui. merveilleux. Et en cela, oui. j'ai quand même beaucoup d'estime, de respect pour elle. Parce que oui. Voilà, vous pouvez oui, lui dire. Oui, oui, moi, j'ai souvent mis en avant sa maman, même si c'est vrai que j'ai essayé. Parce que je disais, mais oui, tu vois, maman, elle t'a fait si, mais tu demanderas à maman, c'est pas à moi de le faire. Vous voyez, quand il y a eu des petites choses, parce que je savais qu'il y avait des choses que la petite me demandait, mais qui seraient malvenues, comme je connaissais bien ce qui se passait, je voyais très bien ce qui se passait, et je lui disais non, c'est maman qui le fera avec toi. Oui, déjà, et ne pas, vous avez raison, et ne pas critiquer l'éducation aussi qui ah est donnée. Ah non, ça, j'ai toujours fait très attention, parce que je m'intéresse beaucoup à tout cette psychologie des enfants, etc. Bon, puis je vous écoute beaucoup, je lis beaucoup, et j'ai lu aussi un livre qui concernait un peu, parce que bon, j'ai pas donné trop de détails, j'ai une petite synthèse, mais qui concernait sa personnalité, en fait, pour mieux la comprendre.
pour mieux la comprendre. Je lui ai dit parfois, tu es malheureuse. Mais si elle vous a, si elle avait elle des conflits, ben non, vous dites non, parce qu'à un moment, vous dites au contraire, elle vous a investi parce qu'elle avait des elle est en conflit avec sa propre mère. Donc peut-être que si ça s'est retourné comme ça, c'est peut-être parce qu'à un moment, elle vous a au contraire beaucoup investi et qu'elle attendait beaucoup de vous et peut-être trop. C'est vrai. C'est vrai, elle a attendu beaucoup. Elle m'a toujours dit, d'ailleurs, les quatre premières années que c'était formidable. Oui. Vous voyez, et puis un beau jour, elle a cru sentir que ses enfants étaient trop proches de nous. Et là, elle en a éprouvé quelque chose d'abominable. Oui. Mais c'est peut-être, ça explique aussi peut-être cette relation d'amour-haine dont vous me parlez. C'est-à-dire que c'était peut-être quelqu'un qui était en manque affectif, oui, un peu, du coup, vous, après les enfants arrivant, votre investissement affectif a plus été du côté des enfants, et peut-être qu'au fond, elle a souffert de ça doublement, oui, parce qu'elle-même était un peu carencée, oui, et puis parce qu'à ce moment-là, elle s'est sentie aussi, en tant que mère, pas suffisamment reconnue, enfin doublement, oui, pas en tant qu'enfant et pas en tant que mère. Donc, oui, ça peut expliquer aussi que votre relation à ce moment-là se soit envenimée. Oui, parce que j'ai jamais. Mais derrière ça, il y a certainement beaucoup de manque et de souffrance. Oui, elle a eu une mère dépressive chronique toute sa vie et oui, c'est difficile. Elle a manqué d'affection et mais bon, c'est vrai aussi que j'ai quand même pu définir quelque chose dans sa personnalité quand même, parce que. Si vous voulez, par exemple, elle fait dire des choses, vous dites à juste titre qu'on ne doit pas faire intervenir les enfants dans ce genre de conflit, surtout en plein divorce. Mais j'ai bien, si vous voulez, les choses sont traduites à sa façon et puis elle ment énormément, quoi. Vous voyez, c'est ça qui est très difficile. C'est que je me fais dire des choses que je n'ai pas dites, vous voyez. Et elle le dit à sa fille, qui est plus grande, et qui, elle, en prend ombrage, je le vois bien. Et puis qui, elle, raconte maintenant aussi des mensonges. Mais ne rentrez pas dans ce jeu-là. Non, c'était ma question. Ne rentrez pas. Je ne l'ai pas fait pendant des années, hein, pendant 8 ans, je ne l'ai pas fait. Non, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Mais maintenant, je suis à bout, vous voyez. Parce que votre petite fille, elle va être perturbée de tout ça. Eh bien... Ne rentrez pas, vous, elle est perturbée par forcément ce qui se passe. Oui. Il y a Brigitte qui pose une question par SMS, là, qui dit, oui, quelle est l'attitude de vos petits-enfants, enfin des enfants avec leur père, justement, parce qu'on a beaucoup parlé vis-à-vis de leur maman. J'ai une très bonne question, parce que j'allais y venir. Mes petits-enfants adorent leur père. Ils ont toujours adoré leur père, parce que, comme leur mère, parce que les enfants, c'est parents, quoi. Mais leur père représentait, parce que mon fils aime beaucoup sortir, emmener les enfants, ma belle-fille est sauvage, les vacances, elle n'en voulait pas, donc c'était papa, elle venait, mais. Donc, si vous voulez, il représente la liberté, l'espace, que ma belle-fille leur. Donc ma belle-fille les prive quand même, hein. Il faut dire les choses comme elles sont, hein. Pour le sport et autres, parce qu'il faut bagarrer, hein, voyez. Et bon, donc ça c'est clair, hein, que c'est tous les deux, et peut-être encore un peu plus ma petite-fille, qui maintenant se braque, mais alors se braque avec fausseté contre son père, c'est-à-dire par derrière, parce qu'il a lu des SMS échangés entre mère et fille. Samedi soir où il avait des amis, il recevait des amis, et ma petite fille parle comme avec une copine à sa mère en disant du mal de son père qu'elle adore par devant. Mais vous voyez le mal qui est déjà fait. Voilà. Donc maintenant, mon fils, il est un petit peu dans la situation où j'étais pendant toutes ces années, où maintenant c'est lui à qui on va essayer de dire... De souffler le chaud, le froid, et puis de lui faire dire que je raconte des histoires, parce que je savais que ça devait arriver. De toute façon, le torchon brûlait depuis longtemps. Et voilà, donc, en fait, maintenant, ma petite fille, très vite, elle va se braquer contre son père. Très, très vite. Oui, mais son père est votre fils. Eh oui, mais bien sûr. Donc, d'ailleurs, elle l'appelle fils unique. Ma petite fille écrit, c'est bien le fils unique que tu me dis, maman. Mais vous vous rendez compte, hein, oui, donc on voit bien que votre petite fille reprend les paroles de sa mère, c'est-à-dire que une normalement une petite fille, enfin une toute jeune fille de 11 ans ne
parle pas comme ça de son père. On sent bien le discours de la mère, là. On sent déjà, c'est bien le fils unique que tu me décris. Bon, on dirait presque deux amis qui se confient. Enfin bon, donc voilà, on n'est pas, sûr. C'est pas elle. Elle parle. Donc c'est pour ça qu'il faut expliquer. Enfin, votre fils, il faut qu'il prenne de la distance par rapport à ça. Hein, c'est-à-dire que bien sûr que c'est blessant, mais que c'est finalement là, elle est prise, je vous dis, pour plaire à sa mère, de sa mère, dans un moment, elle est, les enfants parfois sont. Un peu prêt à tout, y compris, même si ça les culpabilise beaucoup, parce que c'est toujours difficile de se rapprocher d'un au détriment de l'autre. Et c'est ce qui est extrêmement douloureux pour les enfants, dans des cas où les parents se déchirent, et notamment dans les divorces. C'est comme s'ils devaient choisir. Mais choisir, c'est les amputer. De l'un d'eux. C'est ce que les parents ne réalisent pas quand ils les prennent en otage. Parce que c'est c'est les prendre en otage. C'est terrible. Bon, donc surtout, il faut que le parent qui est un peu comme ça, face à quelqu'un qui veut manipuler, qui règle des comptes, tienne bon et ne fasse pas payer à l'enfant autrement ou ne lui dise pas qu'est-ce que t'as été dire en l'occurrence à ta mère, qu'est-ce que t'as été dire sur moi, parce que ça met l'enfant dans une position impossible. Il s'en veut terriblement, il va devoir argumenter, justifier, peut-être mentir, dire mais non, j'ai pas écrit ça, ou ça va, ça va mettre l'enfant dans une position impossible, en porte-à-faux. Donc, bon, elle aime aussi son père, mais pour le moment, elle est un peu instrumentalisée. Ça va s'apaiser avec le temps. Et il faut que votre fils tienne bon, se disant que pour le moment, c'est un conflit qui que son fils, hein, parce qu'il a souffert beaucoup, sa future ex-femme fait payer, quoi. Oui, fait payer. Et puis c'est lui, si vous voulez. Et c'est terrible, parce que c'est ce qu'il faudrait éviter, parce que quand l'enfant est littéralement vraiment pris en otage, l'expression n'est pas trop forte, non. C'est une cause de souffrance infinie. Oui, alors, ça devrait s'apaiser. C'est vrai que si ça dure trop, si on voit que vraiment l'enfant s'écarte du parent et tout ça, là il faut pas hésiter à demander une médiation, peut-être une médiation familiale, pour essayer de trouver un accord. Voyez que les médiateurs disent bon, écoutez, vous êtes en conflit, mais il faut trouver un intérêt autour pour les enfants. Hein. Ah oui, pour les enfants. Parce que là, ça prend une mauvaise tournure. Je veux dire, c'est vrai qu'on sait bien qu'il y a une bonne année, et peut-être plus, moins pour certains, ou bien sûr, il y a de la rancœur, il y a des choses qui, des non-dits, parce qu'en plus, elle ne communique pas du tout, ma belle-fille. Et mon fils, lui, ne communique pas beaucoup non plus. Mais alors, bien, elle, c'est un mur. Hein. Qui c'est qui quitte l'autre, demande Brigitte. Oui, je vais vous le dire aussi, c'est mon fils. Et vous savez, pour que... Oui, d'autant plus, oui. Donc elle lui fait d'autant plus payer. C'est encore une cause aggravante pour... Oui. Oui, donc elle souffre d'autant plus et elle lui fait payer. Bon, écoutez, je crois que là, on est en plein moment de crise et on peut penser que ça va quand même s'apaiser. Et par rapport à vos petits-enfants, il faut garder le cap et que les moments quand même où vous les voyez, ça soit des moments un peu de calme et de maintenir. Et peut-être dire, je sais que c'est difficile. En ce moment, et peut-être aborder, voyez, une fois, dire je sais que c'est difficile, c'est un peu tout le monde est bouleversé, pas être dans le non-dit, dire tout le monde est bouleversé, et peut-être en parler, dire c'est vrai que peut-être dire avec ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à leur maman, et puis après ne plus forcément y revenir, à moins s'il y a des questions qui émergent, mais ne pas toujours tout ramener à ça. Non, oui, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus les perturber encore un peu en leur en parlant trop. Oui, mais il vaut mieux aussi parfois en parler que de rester, je vous dis, faire comme si ça n'existait pas. SMS pour conclure qui dit parfois les relations familiales sont compliquées. Dans les divorces, les enfants sont souvent perdus et emplis de douleur. Rester une mamie aimante. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire avec mon mari qui est bien malade.
et qui malheureusement les voit bien moins, et c'est triste pour lui, quoi. Mais on essaye de... Nous, quand on les voit, c'est ça, on essaye d'être tout à fait naturel, on ne pose pas de questions, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui se passe et surtout tout. Pas. Et mais naturel, je vous dis, on ne peut pas faire non plus comme si rien n'existait, parce que c'est aussi ce qu'ils vivent. Ça passe, quand même. Alors, il y a un autre message qui dit, on ne parle pratiquement pas des parents de divorcés, axant l'information sur les principaux intéressés, alors que pour eux aussi, c'est très douloureux. Oui, oui, mais enfin, c'est vrai, mais les principaux concernés, ce sont, moi j'ai quand même envie de dire, ce sont les enfants, les enfants qui pâtissent le plus des divorces. Attention, quand ils sont pris en otage, parce qu'il y a quand même divorces, même si c'est un moment souvent douloureux, parce qu'une séparation n'est jamais simple pour les adultes, alors pour les enfants, évidemment, mais... quand l'un des parents prend l'enfant en otage parce qu'il règle ses comptes à travers l'enfant, là, c'est une cause infinie de souffrance. Oui, parce que moi, je souffre pour eux. Je souffre beaucoup pour mon fils parce qu'il est malmené aussi. Il a été malmené pendant des années. Et bon, il a eu le déclic un jour. Bon, ma foi, je voulais que ça vienne de lui. Je crois que j'ai bien fait de me taire. Hein, si vous pouvez me le confirmer, Caroline. C'était une de mes questions, quand elle me poussait à bout pour que je dise à mon fils et que j'éclate la cellule, quoi, si vous voulez, familiale. Hein. Je lui ai lancé des perches, mon fils, pendant toutes ces années, mais que des perches. Mais lui, si vous voulez, il n'a jamais accroché. Non, mais ça, moi je dis toujours, les parents n'ont jamais à intervenir sur le couple formé par leurs enfants. Oui, alors, hormis, évidemment, dans des cas où on est dans des cas où il y a danger pour... pour leur enfant, enfin leur enfant même s'il est adulte, où on est dans des cas de violence avérée, où l'enfant est adulte, mais où il y a des cas de maltraitance, où il y a des destructions physiques ou psychiques aussi parfois, parce que ça peut arriver. Là, il est important. Et puis évidemment, même chose pour les petits enfants. Là, il y a un devoir, comme d'ailleurs de nous tous. Alors évidemment, la famille est concernée, elle est aussi concernée au premier chef. Mais ça, c'est évident. Mais sinon, pour même si le couple a un fonctionnement qui apparaît comme bancal, les parents ne sont vraiment pas les mieux placés. Non. Ils peuvent dire que si l'enfant se confie, que justement il y a trop d'affect, ils sont dans une relation trop affective et tout, pour pouvoir prendre position et conseiller à leur enfant d'aller en parler peut-être à l'extérieur, vous voyez, pour ne pas rester sans rien dire, sans rien faire, en disant ça nous regarde pas, mais dire que concrètement vous ne pouvez pas être aidant. Voilà. Non. On peut conseiller, oui. Comme m'a dit mon fils il y a quelque temps, je n'ai jamais voulu vous entendre, on nous a dit. Voilà, mais parce que il a fait un grand pas déjà. Entendre, mais je m'entends bien, Caroline, moi, quand je dis entendre, saisir finement ce qu'on veut. On veut faire passer, parce que nous, on voyait qu'il était malheureux. Hein. Mais bon, c'était à lui d'avoir des clics et de ne pas l'avoir. Hein. Donc, il l'a eu. Mais nous, on sentait, parce que c'était plus que brinque-ballant. Hein. C'était vraiment, si vous voulez, il y avait quand même des choses insoutenables. Hein. Par exemple, rester sur le pas de porte quand on était invité, on ne vous ouvrait pas, voyez ce que je veux dire. Mais bon, j'ai fait fi de tout ça, parce que c'était dirigé vraiment, principalement sur moi, quoi. La mère, la femme. Mais bon, c'est complexe. C'est complexe. Oui. Et on peut comprendre aussi, enfin, vous voyez, il y a des choses, c'est compliqué. C'est difficile. Faudra peut-être qu'il se fasse aider. En tout cas, je crois avoir répondu un peu aux questions nombreuses qui se posaient à vous. votre fils peut aussi aller en parler s'il ressent le besoin. Ça peut être important. Il est très affaibli, très déstabilisé. Et c'est vrai que il est même démoli à l'intérieur, quoi. Mais c'est très difficile. Là, vous pouvez lui dire qu'il peut faire une démarche pour en parler, pour rester un petit peu vous à distance. Oui. Surtout qu'il en parle de temps en temps. Catégorique. Il ne voulait pas. Et maintenant, il y a des amis qui le conseillent un peu dans ce sens. Oui, mais pas seulement en conseil. Je veux dire, alors c'est bien qu'il soit entouré, mais peut-être en parler à quelqu'un d'un peu spécialisé. Mais qui le conseille justement pour dans ce sens-là, pour aller voir.
Je vous remercie en tout cas. Je vous en prie, André. Et puis encore merci pour vos émissions qui sont super, comme on vous dit tous les jours. Merci beaucoup de votre confiance. Au revoir. Merci. Au revoir, André. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Didier. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Caroline, je vous ai appelé il y a quelque temps, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je vous ai raconté l'histoire de mon épouse, de ma femme, qui a eu une maladie du cerveau, du cortex, une maladie cérébrale, qui est hospitalisée depuis 7 ans. Oui. Et la souffrance que j'avais... que je ne vieillirai pas avec elle. Oh, je me souviens bien de vous, oui. C'est vrai ? Oui, vous teniez, comment dire, une... Vous aviez un bar tabac ensemble, c'est ça, hein, voilà, c'est ça ? Oui, exactement. Oui. On travaillait ensemble, on avait eu plusieurs affaires, plusieurs entreprises ensemble. Et elle est tombée malade, ça a été très très rapide. Oui, elle était jeune hein, d'ailleurs. Hein, quand. Elle avait moins de 40 ans. Oui. Et mon fils... était jeune. Il avait, oui, il n'avait pas 14 ans. Oui. Et je vous appelais il y a 3 semaines à moi à peu près. Oui. Vous avez été la première personne à qui j'en ai parlé. Parce que de vous écouter sur la radio, votre qualité d'écoute m'avait donné l'envie de vous appeler, m'avait donné envie de m'exprimer parce que les mots avaient du mal à sortir. Je m'étais réfugié avant dans l'alcool. Et donc, bien sûr, depuis quelques temps, depuis quelques mois maintenant, j'ai arrêté de boire. Je vois les choses différemment. Mais je m'étais coupé de toute ma famille, de tous mes amis. Oui. Et j'avais l'impression d'être vraiment seul. Oui. Et je ne sais pas si c'est le fait de vous en avoir parlé. En fait, le lendemain, le surlendemain, je me suis mis à appeler... certains de ma famille, de mes amis, que je n'avais perdu contact depuis 2-3 ans, vous voyez. Oui. Et il y en a quelques-uns qui ont réécouté l'émission qui passe en podcast. Oui. Et ça a été, il y a eu un déclic, j'ai eu des preuves de sympathie, parce que bien sûr, ils savaient que j'étais mal. Mais c'est difficile de quelqu'un qui s'alcoolise d'aller vers lui, quoi. Parce que l'alcool, c'est voilà, quoi. Ça isole beaucoup et oui, voilà, ça coupe beaucoup des autres. Voilà, on perd son maintien, sa dignité. Oui. Donc on se recule, on reste... Et c'est vrai que depuis que je vous en ai parlé, je me suis beaucoup plus ouvert. C'est vrai que maintenant, ça revient, oui, vers moi, la famille. Ça me ramène pas celle que j'ai perdue, enfin, que j'ai pas perdue, mais... Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Vous voyez, Caroline, pendant l'intervalle de la dame qui parlait, il y a Eddie Mitchell qui a chanté. Mm-hmm. Et j'étais en train de me rappeler que le dernier concert qu'on a été avec ma femme qui s'appelait Claudine, on a été voir Eddie Mitchell à Nantes. Il était passé au Palais des Congrès à Nantes. Et on avait été voir son spectacle. Parce que il y a beaucoup de choses comme ça qui me rappellent d'elle. Par exemple... Je sors, dans le couloir, j'ai un tableau. On était ensemble à se promener. Il y avait un peintre qui faisait des marines. Et je l'ai trouvé très joli parce que je trouvais la façon dont il faisait les voiles, les couleurs. C'était très original. On était en vacances, j'étais passé 3-4 fois le voir. Et je lui disais, Claude, franchement, ce qu'il fait, c'est chouette, quoi. Et bien, vous voyez, un jour, elle a été, sans moi, bien sûr, elle a acheté une marine. Oui, oui.
Et quand on est arrivé à la maison, elle m'a dit, tiens, il y a quelque chose pour toi dans la valise qui te rappellera les vacances, quoi. Et c'est vrai que quand je passe devant ce tableau, je le regarde parce que, ben voilà, ça me rattache. Oui, à ce moment. Voilà, parce que j'ai cru à un moment. Voilà, parce que j'ai cru à un moment donné, en buvant, en faisant un peu n'importe quoi, que je pouvais tout casser, les ponts. Ça me permettait de l'oublier. Et c'est vrai que j'étais tellement assommé par l'alcool qu'à 9h du soir ou 10h, je dormais. Puis le lendemain, le problème restait intact. Hein. Ben oui, mais ça a été votre façon en même temps de fuir ce qui était à ce moment-là insoutenable hein, pour vous. Voilà, oui, ça a été, je pense. Ça a été, vous savez, personne ne peut dire comment il aurait pu réagir à votre place, hein, Didier. Parce qu'on sentait aussi l'amour qui vous unissait. Moi-même, je parle à votre femme et c'est vrai que voir au fond cette maladie qui détruit son cerveau et vous comme dans un acte aussi désespéré, vous aussi vous vous détruisiez avec l'alcool, comme s'il devait plus rien rester au fond. Ouais, voilà. Enfin, il y avait comme quelque chose à l'unisson, être comme et en même temps fuir la réalité. Mais vous le dites vous-même quand vous le matin vous réveillez, ça restait, ça vous revenait en pleine figure. Hein. Oui, puis il y avait Alexandre. Il y a votre fils, oui, c'est ça. Il y a votre fils pour qui c'est très difficile aussi, puisque lui, vous disiez que pendant longtemps, il... Ça a été difficile pour lui comme pour moi. Et oui. Puis il a fallu que je lui fasse son éducation. En plus, à l'époque, je travaillais beaucoup. Une grosse entreprise et voilà quoi, il a fallu m'occuper de lui, c'est-à-dire vous allez peut-être trouver ça ridicule, mais par exemple me dire comment je faut que je fasse marcher la machine à laver, puis repasser son linge. Mais non, c'était tout le quotidien dont s'occupait votre femme et où tout d'un coup vous aviez un enfant, vous, à élever dans ce quotidien, elle n'étant plus là, votre chagrin immense et en même temps ce petit garçon, parce qu'il était encore très jeune dont il fallait s'occuper. Il n'avait pas 14 ans. Oui, enfin, ce jeune garçon et qui lui-même était dans une souffrance indescriptible de perdre sa maman, puisqu'au fond, il disait, je crois qu'elle était morte, non? Enfin, il n'en parlait pas, en tout cas. C'est-à-dire qu'à l'école, c'est assez drôle avec le nombre de personnes que vous avez, que vous arriviez à vous souvenir aussi clairement de ce que je vous ai dit il y a un mois. Parce qu'il y a des histoires aussi qui me marquent, hein, et la vôtre m'a marqué, Didier. Ça marque quand même votre qualité d'écoute. Comme quoi, j'écoute, je suis là pour ça, oui, j'écoute. Oui, il y a quand même quelque chose derrière ça qui fait que qu'on ne peut que s'attacher à vous. C'est ce qui fait vraiment que vous êtes une personne vraie. Voilà, quoi. Parce que je suis un peu ému, parce que j'écoute souvent et d'entendre plein de gens, et que vous vous rappeliez... petits détails, sont pas des détails, mais je me souviens, mais parce que quand on est concentré, qu'on écoute réellement, on se souvient, voilà, on écoute. Mais ce qui m'intéresse, Didier, c'est que c'est pas comment moi je je travaille. C'est vous me dites que quand vous avez eu le premier pas, ça a été d'appeler un soir, de m'appeler, d'en parler avec moi, et finalement ça a pu déclencher ça a ouvert quelque chose, d'appeler vos amis, votre famille, parce que c'est ça, vous disiez vous étiez très très seul, c'était pas simplement un sentiment de solitude, c'est que vous étiez très seul à ce moment-là. C'était vraiment
je pouvais être une journée entière sans voir personne, à part mon chat, ou la caissière du supermarché, quand je l'ai acheté à manger. Parce que j'avais coupé tous les ponts sociaux. Oui. J'étais vraiment très très seule. Bien sûr, mon fils qui m'appelait et tout, mais qui ne savait pas trop comment s'y prendre. On s'aime beaucoup, c'est très important. Mais quand je vois, par exemple, une journée comme aujourd'hui, où je l'ai passé avec ma sœur et mon beau-frère qui sont venus passer la journée avec moi. Oui. On a déjeuné ensemble. Oui. On a passé une journée délicieuse. Vous voyez, même, c'est assez drôle parce que j'ai un beau-frère qui est venu installer un de ses fils à Nantes. Il m'a appelé, il m'a dit viens dîner avec moi. Et voilà, j'arrive juste de dîner avec lui. C'était inimaginable il y a 3 mois. Quoi. Mmh. Donc, comme quoi, je crois que. Bon, déjà d'avoir cessé l'alcool. Ça va vous ouvrir de nouveau aux autres, hein, parce que l'alcool isole, vous coupe complètement de tout, des autres. C'est affreux, quoi. C'est une souffrance. Oui. Parce que, on se sent un petit peu mieux, certainement. C'est une sensation qui est complètement bizarre, mais c'est comme si c'était un peu ouaté, feutré. Bon, voilà. En plus, je buvais des alcools lourds, du whisky, des choses comme ça. Mais ça vous anesthésie, ça vous coupe, comme vous dites. Oui, ça... c'est-à-dire que je pouvais être sur une chaise, je regardais la télévision, j'étais incapable de mémoriser ce qu'il y avait, quoi. Mes pensées, je vagabondais, j'avais des flashs, et puis il y avait une colère en moi. Une colère avec un sentiment également de m'avoir abandonné. C'est ça, mais il y avait chez vous, ce qu'on percevait, c'est cette colère et finalement que vous éteignez au fond par en absorbant de l'alcool, alors qu'on peut comprendre ce sentiment de colère et d'injustice, parce que cette maladie qui a touché votre femme encore comme ça alors qu'elle avait même pas 40 ans, le fait que elle se retrouve dans une structure qui est pas adaptée, puisqu'elle est en psychiatrie, où vous la trouvez, elle est dans un service ou avec des personnes qui souffrent de graves troubles psychiatriques, alors qu'elle, c'est une maladie qui lui détruit le cerveau. Mais et puis comme vous dites, ce sentiment, cette culpabilité qui vous rongeait, allez, je vais en parler au passé. Je sais bien qu'elle n'est pas complètement partie, mais j'ai envie d'en parler au passé, parce que c'est un premier pas que vous faites. De l'abandonner, alors qu'en fait, on en a parlé. Évidemment, vous ne pouvez rien contre cette maladie, mais même si je comprends ce sentiment de culpabilité, parce que quand on aime quand on aime aussi fort que vous aimez, voir quelqu'un, voir l'être qu'on aime comme ça, et ne rien pouvoir faire, c'est ce sentiment d'impuissance, est terrible. Oui, vous voyez, Karine, en plus, les premières fois que quand j'ai eu à voir, elle était révoltée. Et je préférais cette attitude-là qu'elle a maintenant, où maintenant elle est en parfaite soumission, où elle est... parce qu'elle est anesthésiée par les médicaments, les calmants, des choses comme ça. Mais... au départ, elle était en révolte. Elle me disait, tu vas pas me laisser là. Et j'étais plus rassuré parce que je me disais, peut-être qu'elle va s'en sortir. Et oui. Et que maintenant, de la voir... parce que, vous savez, souvent, je lui disais, mais où est-ce que tu trouves toute cette énergie? Enfin, je sais pas, elle était capable de faire 40 km en voiture pour aller chercher un tissu parce que elle avait un canapé bleu dur et que elle avait vu un tissu prune qui se serait très bien marié avec pour faire un superbe coussin. Voilà. Et donc, elle avait ce petit grain de... Moi, c'était une femme enfant. J'en étais très conscient vous voyez, moi je l'aimais comme une femme enfant, en fait, j'ai recherché
cherché d'autres femmes. Je dis que je n'ai pas retrouvé parce que je ne retrouverai pas, parce que je la cherchais, elle. Oui, vous avez raison. Tant que vous la chercherez, elle, vous ne retrouverez pas. Non. Il faut déjà arriver à intégrer que, comme vous dites, c'est difficile d'ailleurs, par moment vous en parlez au présent, par moment au passé. C'est très difficile de faire le deuil, entre guillemets, de quelqu'un qui est vivant. Or, la relation que vous aviez, vous ne pouvez plus l'avoir parce que la maladie fait que vous ne pouvez plus avoir la relation que vous aviez. Et elle-même, finalement, dans un sens, certainement, souffre moins que vous, puisque la maladie détruisant le cortex, elle n'a pas la conscience, heureusement pour elle, que vous avez vous. Donc la culpabilité, en revanche, que vous avez vous, vous pousse à vous détruire, vous poussez. Et là, moi, je suis heureuse de vous entendre ce soir, Didier, parce que vous avez ouvert une porte, entrouvert, et y a, vous retrouvez un environnement affectif, social, et des personnes qui vont être là, vous entourer, qui n'imaginaient certainement pas à quel point vous étiez seul, terriblement seul, seul et souffrant beaucoup. Et déjà, oui, de vous avoir appelé, ça a été, oui, ouvrir une première porte, parce que ça a été très difficile de vous appeler. J'ai décroché souvent le téléphone, et puis j'avais appelé en toute fin d'émission d'ailleurs, et nous étions restés. J'ai eu des messages aussi de sympathie d'auditeurs, qui m'ont rappelé le lendemain, et... Moi, si j'ai un message à faire passer, Caroline, à travers... en fait, c'est que l'alcool, aucune substance ne peut arranger les choses. Ça ne peut que les aggraver encore. Parce que, vous voyez, je vois les choses plus jolies maintenant. Je ne sais pas comment vous le dire, Caroline, mais je vois les comme les... vous le dites, oui. C'est-à-dire que avant j'avais tendance à ne voir que la noirceur des choses, bien sûr cette horreur qui nous est arrivée. Vous savez, quand je l'ai vue parce qu'elle devait venir déjeuner avec moi ce jour-là, et elle n'était pas à l'heure, j'ai pris ma voiture, je suis arrivé à la maison, elle était au lit, et j'ai vu de suite que ça n'allait pas, quoi. Et ça a été tellement vite, ça a été l'horreur, ça a été... Oui, c'était vraiment une déflagration, hein, ça vous est... Voilà, et donc, vous voyez, parce que, vous vous rendez compte, j'ai même vendu ma maison, et j'ai exigé, oui, que les meubles soient vendus avec. C'est-à-dire, la personne qui a pris ma maison, elle a une très jolie maison, elle l'avait décorée, tout le bon goût qu'elle avait, et... voilà, les meubles ont été vendus avec. Oui, oui, mais c'est très symbolique. C'est-à-dire qu'au fond, vous liquidiez tout. Voilà. Mais vous avec. Oui, c'est-à-dire que c'est comme si vous, au fond, il y avait d'une forme de suicide dans ce que vous faisiez. Mais oui. Mais ça montre aussi dans ce que vous dites par rapport à l'alcool aussi. C'est l'alcool de toute façon entraîne vers. Alors souvent il y a de la dépression avant et donc on boit. Mais l'alcool aussi peut être une fuite pour fuir quelque chose qui est de l'ordre de l'insupportable, et ça l'était, ce que vous viviez avec votre femme. Et en même temps c'est un cercle vicieux parce que vous vous réveillez le matin et c'est terrible, quoi, dans l'état où on se réveille. Donc aujourd'hui, dites qu'au fond, bah oui, même si les choses n'ont pas changé, vous entrevoyez quelque chose qui s'ouvre. Donc en tout cas, j'ai des messages pour vous qui dit je suis heureuse pour vous que vous soyez sortie de l'alcool après une histoire si difficile. Vous êtes sortie d'un labyrinthe. Il y a Brigitte qui dit c'est beau de voir que parfois il suffit de franchir un pas. On s'aperçoit que les choses étaient beaucoup plus ouvertes qu'on ne le croyait. Quelqu'un me dit, il est difficile de voir partir la personne qu'on aime. Alors partir, elle est là, mais elle est plus là pour vous ne pouvez plus échanger ensemble. Vous êtes passé par l'alcool et vous en êtes sorti. Quelle force! Il y a quelqu'un qui dit, parfois on est presque obligé de boire son chagrin comme sa honte et sa colère pour ne pas se noyer.
courage à Didier, vous respirez, alors je sais pas quoi, mais en tout cas, il y a beaucoup d'humanité, beaucoup de, je pense que, je voulais dire, je pensais à cette jeune femme qui, je me souviens plus son prénom, mais qui disait que elle s'en voulait de s'être ouverte à un jeune homme et que, qui, une jeune femme qui était malvoyante, et elle dit finalement, je me suis ouverte à lui et il m'a trahi, il est parti avec une autre jeune femme, et je lui disais, il faut jamais s'en vouloir de sa sincérité, de s'ouvrir, de faire un pas, de parler de soi, de dire, parce que s'ouvrir un peu, faire un pas vers l'autre, parler, ça ouvre d'autres portes. Les gens, dans ces cas-là, peuvent être présents. Et vous en témoignez aussi, Didier. Finalement, vous avez appelé ce soir-là. Il faut, bon, vous aviez besoin de parler. Et finalement, le lendemain, vous avez renoué des liens avec vos amis, votre famille. Et voilà, et c'est le début d'une vie, de nouveau d'une vie. Voilà, d'une vie que je vous souhaite la meilleure possible, vraiment. La meilleure possible, parce que vous êtes en vie et il faut continuer, vous, à vivre le mieux possible. Vraiment. Avoir les choses belles qu'on a eues, on a eu des très belles choses. Oui, en gardant le beau de votre relation. Voilà. Et il y a Chris qui dit, pensez surtout, Didier, si vous avez peut-être des moments, et ça peut arriver encore, de blues, merci, que vous n'êtes pas seul, beaucoup d'inconnus sont avec vous. Oh, c'est gentil. Je vous embrasse, Didier. Merci beaucoup, Caroline. Moi aussi, je vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Caroline. Confidence à Caroline Dublanche au 39-21. 39-21. 34 centimes la minute. De cette libre antenne, toujours en direct, bien entendu, sur Europe 1, avec tous vos témoignages au 39-21, vos réactions qui arrivent par courriel sur le site europe1.fr. Beaucoup de réactions pour Didier qui vient de témoigner avant le journal de minuit. Antoine qui dit l'une des difficultés majeures pour les personnes confrontées à ce genre de situation. Je rappelle que Didier à son épouse qui a une maladie incurable, hein, une maladie qui touche le cortex cérébral, dit c'est ce deuil impossible, comme si notre proche mourait tous les jours. Je connais, dit Antoine, et c'est tout simplement impossible à vivre. Il y a également First Lisa qui dit « Je suis très émue par ce témoignage, je trouve que c'est une grande leçon de courage. Ce monsieur est tout simplement admirable et il n'a pas à culpabiliser à cause de son problème d'alcool. » Je pense que c'est pas par rapport à ce problème d'alcool, mais la culpabilité, c'était d'abandonner, ce sentiment d'abandonner sa femme, alors que il ne peut malheureusement rien faire pour elle. Et puis Marinette dit « Votre histoire est bouleversante, l'amour qui vous lie à votre femme, qui vous liait à votre femme sans ans. » Vous voyez, j'ai fait un lapsus. Marinette dit l'amour qui vous liait, mais qui le lie encore à sa femme sans ans. Lorsqu'on vous écoute, j'en ai les larmes aux yeux. Votre courage est incroyable. Vous êtes admirable. J'espère sincèrement que le bonheur vous étreigne à nouveau. Et puis Bruno qui dit gardez courage, la vie continue.
J'ai également, alors là c'est un message, c'est Catel qui revenait sur le témoignage d'André, donc André qui nous parlait du divorce de son fils et de sa belle-fille qui selon elle était manipulatrice. Catel me dit, ah oui, très facile de dire de rester calme face à un manipulateur. Bon, d'abord, j'ai pas dit les choses exactement comme cela, et puis je pense qu'effectivement face à quelqu'un de toute façon qui est dans la manipulation, l'affronter directement n'est pas la meilleure des choses parce que c'est rentré dans son jeu. Et puis ici, il y a le Trublion aussi qui envoie un petit SMS au 72121 code de nuit qui dit bon courage à Didier et puis caresse à son chat qui lui donne certainement plein de réconfort. On va accueillir tout de suite Mathilde. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très 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 contente de vous avoir et de parler avec vous. Mais moi aussi. Bonsoir, je suis un petit peu émue, excusez-moi. Je vous en prie. Mais je vous écoute depuis très très longtemps et je ne peux pas m'endormir sans ouvrir mon petit poste radio et de prendre des initiatives, de prendre des conseils sur tout ce que vous dites, sur tout ce que vous où vous initiez les gens, vous leur portez du courage, de l'amour, des conseils. Et moi, je voulais vous dire, j'ai hésité, oui, pendant quelque temps à vous appeler, mais bon, ce soir, je me sens capable de dialoguer avec vous et de vous demander surtout une explication au sujet de mes deux enfants, le oui. premier et la dernière, parce que, voilà, j'ai été mariée pendant 40 ans, femme d'artisan. Donc, vous savez, une femme d'artisan, il faut qu'elle sache tout faire. De la comptabilité à la cuisine, à élever les enfants. C'est vrai, c'est pas facile, hein. Et elles n'ont pas de statut en plus. Vous n'avez non. pas de. Et oui. Oui, j'étais déclarée conjoint collaborateur. Mais moi qui suis quand même très calculatrice, très gestionnaire, de par le gros paquet que nous avions à faire, c'est-à-dire bâtir une maison, des enfants, les garçons étaient au lycée, ma fille qui a pas mal de différences avec ses frères était petite donc à élever. J'ai vécu 21 ans chez mes beaux-parents où ça n'a pas été toujours vraiment très agréable, franchement. Mais voilà, nous sommes partis en 85 de l'autre côté du village. Nous avons fait bâtir une maison, une grande maison, et bien sûr, un mari qui travaillait, oui, qui travaillait pas mal. Donc, moi, je suis restée à la maison pour tous les comptes de l'entreprise, la communication avec les clients, avec les architectes, avec les commerçants, les représentants, et tout le temps occupé. Bon, et bien, voilà, en 2004, monsieur s'est trouvé une maîtresse plus jeune que moi, bien sûr, et depuis cette date-là, ça a été infernal. Il était possédé par le diable. Il pleurait à table. Il disait que j'aime Alice, je vais aller vivre avec. Ben, moi, au bout d'un moment, ben, écoutez, je lui dis, mais va-t'en avec elle. Et puis, c'est fini. Et puis, voilà, je comprends que tu puisses, après tout, apporter ou recevoir de quelqu'un plus jeune. Et peut-être, oui, je comprends. Mais c'est qu'il n'est jamais parti. Voilà, il n'est jamais parti. Et nous avons vécu, donc, en collaboration, on s'écrivait, on se parlait plus, parce que bon, la clientèle, il était encore en activité, la clientèle était là, et que moi j'ai quand même des comment je vais vous dire, je suis quelqu'un de très devoir, je suis une personne de devoir, donc j'ai créé cette entreprise, donc on a fait la maison tous les deux, on a élevé ses enfants, un mari qui n'était jamais là, ni les week-ends, ni pendant les vacances, jamais, 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 je lui ai donné, vous allez me dire, cette habitude, voilà.
Donc, je me suis occupée de mes trois enfants. Je les ai tous assez poussés pour qu'ils aient un travail chacun, et ils l'ont. Mais ça a été quand même tous les trois assez dur. Donc, cette période de 2004, j'ai perdu 16 kilos parce que je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas, j'en suis encore, vous voyez, un petit peu émue et... Vous ne croyez pas à quoi ? Je ne croyais pas que c'était possible que mon époux, eh bien, s'en aille comme ça et se trouve une femme, et parce que nous arrivions à la retraite et que la maison était payée, et que tout allait... Oui. On n'attendait que des moments de bonheur, vous comprenez ? Oui, finalement, vous ne compreniez pas ce qui lui arrivait. Pas. Et en même temps, il ne voulait pas vous quitter. Ah non, ça oui, il ne voulait pas me quitter. Donc, Il continuait à voir cette femme, mais tout en restant avec vous. Ah oui, voilà. Il me l'a dit plusieurs fois. Il m'a dit, je ne veux pas que tu partes, je ne veux pas divorcer. Oui, parce qu'au fond, vous vous occupiez de tout, de l'entreprise, des enfants, vous faisiez tout tourner. Oui, il avait le beau rôle dans l'histoire, au fond. Oui, il avait le beau rôle. Mais il avait le beau rôle, Caroline. Mais tout le monde me le dit. Mais il avait le beau rôle. Oui. Parce que moi, je partais, je prenais les camions, j'allais chercher des camions de sanitaires chez les grossistes, je revenais, c'était moi qui faisais... Oui, vous faisiez tourner et l'entreprise familiale et la maison, enfin... Et la maison, oui. Oui, ça la maison, oui. Oui. Les enfants... Mais c'est pas maison. Étonnant que vous ayez perdu autant de poids, vous, hein, à cette époque-là. Vous deviez être épuisée. J'ai perdu du poids à cause de lui, là, hein. Oui, ben vous deviez être épuisé, oui. Ouf, enfin, outre le fait que c'était douloureux à vivre, forcément. Vous ne lui aviez pas mis, j'allais dire à un moment, mis face à un choix, de dire que c'était intenable, cette situation, que... Oui, mais... Que c'était un peu trop facile de vivre, finalement, son histoire comme ça, là, et puis de tout en voulant rester, d'avoir tout, au fond. Oui, il venait manger tout le temps. Il venait dormir tout le temps, mais il faisait des choses avec sa maîtresse pendant le jour, parce qu'il a été pris le jour. Voilà, il y était tout le temps. Mon fils aîné, qui était notre salarié depuis 19 ans, il habite le village où elle habite, elle. Il voyait son père arrêter tout le temps, devant chez elle, tout le temps. Et je me disais, mais comment il fait pour ne pas lui dire, mais enfin, papa, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es la risée de tout le monde. Oh là là, j'ai vécu des moments terribles. Donc, j'ai demandé le divorce. Oui. J'ai tenu le coup. Je sais que mon second fils, il travaillait à la CCI à Pau. Et le jour que j'ai été voir mon avocat... où je m'étais rendue, j'avais quand même réussi à avoir quelques précisions, parce que je ne connaissais pas du tout ce secteur. J'étais vraiment pas du tout habituée à aller voir un avocat ou des hommes de loi comme ça. Donc mon fils second, il m'a accueilli, il m'a dit « tu es une loque ». Il a demandé une heure à la CCI pour qu'il me promène un petit peu dehors, et que je reprenne des forces, et puis je suis rentrée chez l'avocat, et j'ai raconté ma vie, voilà, et que je ne pouvais plus, que je n'allais plus pouvoir continuer comme ça. Donc nous avons monté un dossier, on a déposé la demande de divorce en 85, parce que les lois avaient totalement changé, c'était plus 6 ans qu'il fallait attendre, si le conjoint ne voulait pas divorcer, là c'était 2 ans. Donc, on a déposé la demande de divorce en 85. Mm-hmm. Bon, c'est vrai que monsieur n'y croyait toujours pas. Mais on s'écrivait toujours sur la question de l'entreprise. Voilà. C'était, moi, les courses et les commissions des clients, les appels téléphoniques, les prix, les devis, tout ça. Je mettais tout sur papier. Puis je me suis, mis sur informatique et tout. Donc, on a eu une première conciliation en 2006, février 2006. Et là, en 2005, je me suis occupée en 99... de ma belle-mère qui a été veuve et qui a appelé un soir à 10h du soir en me disant « viens vite, ma fille me trafique les papiers, elle veut me prendre les sous ». Voilà.
Alors depuis, on y est allé, monsieur et moi. On a mis tout sous clé et depuis, je me suis occupée de ma belle-mère. Alors qu'elle a 3 filles et une fille à côté, derrière chez elle. Et je vous vous occupez en plus de votre belle-mère. J'ai revu toutes ses assurances de maison. Oui. Je lui ai revu tout. J'ai tout fait parce que bon, oui, j'ai aimé ça. Dans l'entreprise, je le faisais. Oui. J'ai fait des stages pour. La gestion, oui, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'a plu. Oui, vous aimez ça et vous êtes compétente dans le domaine. Enfin, oui, il fait toujours, oui, il compte sur vous au fond. Oui, tous ils comptent sur moi. Oui. Oui. Donc, 8 ans, je me suis occupée de ma belle-mère. Au bout de 4 ans, dans le laps de ces 8 ans, elle est tombée Alzheimer, elle se levait la nuit, elle nous appelait à 3h du matin, elle nous disait, venez, je suis prête, je vais aller voir papa et maman. Donc il fallait se lever, il, oui, fallait aller de l'autre côté du village, en, oui, lui disant, maman, déshabille-toi, remets-toi, mais... au lit, c'est pas le jour, c'est minuit, c'est Mathilde, deux heures. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous étiez divorcée là de votre mari, non, ou pas? Non. Mais non. Aujourd'hui, vous êtes divorcée? Oui, oui. D'accord, mais comment ça se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ça se passe, c'est très bizarre, Caroline. Vous allez peut-être me secouer un petit peu, mais alors on est passé devant le juge de la non-conciliation le 6 février 2006. Donc, comme il m'avait serré le cou, monsieur, le juge a décrété que je pouvais aller vivre à Pau, dans une ville, dans l'appartement que mon second fils a laissé pour partir à Paris à Radio France. Donc je lui avais dit, ne démissionne pas, j'en aurais peut-être besoin. J'en ai eu besoin toute l'année 2005 pour faire une formation d'aide-soignante pour ma fille. Ensuite, le 2006, je suis sortie du tribunal dont je suis allée dans cet appartement. J'ai fait changer les serrures et là... Et là, mon fils aîné et ma fille ne m'ont jamais soutenue. Jamais. Parce que quand vous avez décidé de quitter leur père. Oui, ils ont cru leur père. Est-ce que le père leur a donné de l'argent? Mais ils l'ont cru par rapport à quoi? Eh bien, pour faire voir qu'il était là, que c'était un bon père, alors qu'ils ne l'ont jamais. Mais il est peut-être un bon père, ça n'enlève rien. Mais il a sur les derniers temps de sa vie, et il n'a pas été un très bon mari. Non. Voilà, mais il n'empêche qu'il peut être un bon père pour eux. Il était un bon père. Oui, ça n'enlève rien à ses qualités. Voilà. Mais très bon père à côté de ça, qui ne les grondait, oui, jamais, parce qu'il, oui, ne les voyait jamais non plus. Oui, on mais dit, vos enfants sont grands, là. Ils sont grands, oui. J'ai un, oui, fils de 41 ans. Oui. Et oui, ça j'ai monte. J'ai un autre, oui, fils de 38 ans et j'ai ma fille de 28 ans. Oui. Et pourquoi vous dites que vous voulez peut-être que je vais vous un peu vous bousculer ou je ne sais quoi? Pourquoi vous dites ça? La situation d'aujourd'hui. Oui. Dont je suis restée 2 ans et demi à Pau, avec des hauts et des bas, question de santé, parce que j'avais le liquide des oreilles qui se déplaçait, qui allait au cerveau, de tellement que ça m'a tourmenté moralement, dont je tombais, surtout quand je descendais de voiture, voilà, où j'étais peut-être concentrée pendant un moment, et puis quand je sortais de la voiture, pas de suite, ça y était, ma tête elle tournait, il fallait que j'aille m'appuyer, j'ai cassé mes lunettes 2 fois, enfin bon, je me suis faite soigner, donc des traitements quand même assez, ça aussi, des traitements pour le moral, pour dormir... Mmh. Alors que je n'avais jamais rien pris. Oui, bah oui, mais enfin, on peut comprendre hein, que vous aviez, oui, une, oui, période où vous avez accusé le coup. Mais alors, finalement, pourquoi vous... Alors, qu'est-ce pourquoi qui... Oui. Nous avons donc divorcé en 2008. Oui. J'ai eu un jugement assez convenable, je vais dire, dont j'ai eu des indemnités compensatoires qui se sont montées à une somme assez confortable. Et puis, quand j'ai été divorcée... Cette maison, puisque j'étais pas à la maison là, et pendant que j'étais à l'appartement à Pau, monsieur avait demandé au juge si je voulais continuer les écritures de l'entreprise parce que soit il se payait une secrétaire, soit, oui, il donnait tout au comptable. D'accord. Donc, comme je l'avais créé, j'ai dit que, mmh, oui, donc je revenais tous les week-ends, mmh, je faisais toute la compta. Tout, la TVA, les bulletins de salaire, tout, les factures. D'accord. Tout ce qui comporte l'entreprise. Donc, vous avez continué à avoir une activité, oui, au sein de l'entreprise. Bénévolement, là, oui. Mais qu'est-ce qui vous tourmente aujourd'hui, Mathilde?
Eh bien, ce qui me tourmente, c'est que je ne sais pas si j'ai bien fait. Donc, bah, dites-moi, alors, venons-en au fait, parce que ça sera plus clair. Nous avons séparé les biens, donc j'ai une grande maison. Nous avons séparé les biens. Oui. Et il a mis 2 ans pour quand même aller signer devant chez le notaire le 9 juillet d'accord. 2010. D'accord. Parce que moi, je voulais être ou chez moi, ou vendre la maison. Oui. Et m'en aller quelque part, quoi. Mm-hmm. Et il faisait que me harceler en me disant que si on vendait la maison, c'était de ma faute et il allait se suicider. Oui. Alors là, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, vous faisiez du chantage. Il me faisait du chantage. Est-ce que vous avez fini par signer ? Et alors, il a signé quand même. Oui. Alors moi, j'ai les 3/4 de la maison. Oui. J'ai une pension de sa part. Oui. Et lui, on lui a laissé, si vous voulez, l'atelier du bas. Oui. Qui est carrément, s'il veut se faire un appartement, il faut qu'il se d'accord. le fasse. D'accord. Bon. Bon. Bah, mais très en attendant, bien. Caroline, il est encore chez moi, là. Chez vous, c'est-à-dire ? C'est-à-dire dans l'appartement de la maison, qui est au premier étage et au deuxième. Oui. J'ai une grande maison, donc... Et vous, vous vivez où ? Hein ? Et vous, vous vivez où ? Et moi, je vis dans... Maintenant, je suis propriétaire de mon appartement. Oui. Premier étage et deuxième étage. Oui. Et donc, je vis chez moi. Oui. Nous sommes passés devant chez le notaire. Mais lui, le notaire m'a demandé de le garder le temps qu'il fasse son appartement. Et d'accord, que... ben ça peut se concevoir, le temps oui, qu'il fasse son appartement. Caroline. Mais depuis qu'il me promet, il n'a pas déblayé un boulon de l'atelier. Il n'a pas, encore. Alors, il s'est loué une chasse dans le Pays Basque, là. Mm-hmm. Il s'y est fait un Versailles, parce qu'il a des mains en or, monsieur. Monsieur a des mains en or, il sait tout faire. Oui, oui. Et là, oui. Il vit, il fait sa vie avec, oui. avec des copains et des copines. Et oui. Parce que j'ai entendu des conversations quand même assez osées. Mm-hmm. Je les ai entendues. Et donc, vous savez, il y a des fois... Vous en avez assez. Oui. Ben, il faut vous renseigner, voir peut-être auprès du notaire ou d'un avocat ce qu'il est possible de faire pour exiger qu'il se fasse construire son appartement au plus vite. Hein, parce qu'effectivement, lui, on voit bien que depuis le départ dans votre histoire, il ne veut pas, il fait tout pour faire traîner les choses. Il ne voulait déjà pas que vous vous sépariez. Il voulait bien mener sa vie en parallèle. Oui, sa femme est légitime à la maison. Oui, oui, tout à fait. Et là, au fond, ben, on voit bien que, y compris sur un plan matériel, il veut garder... il veut continuer à vivre comme avant, au fond. En ce moment, il est très malheureux parce qu'il pleure depuis deux oui. trois fois. Oui. Et d'une part, j'avais de... Oui, mais vous, comment ça va, vous, Mathilde ? Parce qu'après tout, lui, moi, c'est moi, une ça chose. Ça va mieux maintenant. Ça va oui. mieux. Bon, ben, c'est parce ce qui compte. Même au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, eh ben, je ne sais pas si c'est le contre-coup d'avoir signé et de me dire que j'étais arrivée à être chez moi et que mon fils aîné, qui est vilain avec moi, ne pouvait pas me mettre dehors. Ni ma fille, et que ça me sécurisait. Voilà, moi je me suis battue pour être oui, en sécurité, parce que à mon âge, je ne peux pas prétendre à... Oui, vous sentez, bien sûr, ça vous sécurise de savoir oui, que vous êtes sécurise. Chez vous. Et écoutez, je crois qu'à ce moment-là, il faut voir un petit peu et ne pas rentrer dans cette espèce plus... de chantage affectif et de dire, bon, maintenant c'est comme oui, ça. Et peut-être quitte à lui dire, si tu continues à rester là, moi je vais vendre la maison, parce qu'après, enfin cette partie-là, parce qu'après tout, elle m'appartient. Donc tu te débrouilles au plus vite, tu mets en travaux les chantiers. Déjà, je tolère que tu restes là, mais... je pourrais aussi très bien décider de m'y installer, de fermer la porte. Hein, donc, vous pourriez le faire. Vous pourriez le faire. Bon, vous ne voulez pas déclarer la guerre ouverte, mais vous pouvez dire par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à nos enfants. Mais dire maintenant, ça suffit. J'ai été bien conciliante et vous lui dites, oh oui. ça suffit comme ça. Donc, soit maintenant tu mets en œuvre le chantier. Et puis, quant à vos enfants, vous leur dites bien sûr que c'est votre père. Je comprends que vous l'aimez, mais moi, il y a des moments où j'ai pris sur moi, j'ai accepté beaucoup de choses, mais il y a un moment où trop c'est trop, où je n'ai pas envie quand même de passer pour l'imbécile de service et tout avaler. Il y a des femmes qui le font. Je ne dis pas, c'est leur droit, mais bon.
après le déjeuner, il est très grand, je Marie très grand, je suis grande aussi, et il me dit du haut de sa grandeur, de toute façon, je t'ai trompée toute la vie, je suis jeune, j'ai un sexe, je vais m'en servir. À 60 ans, mais quand même. Ah bah écoutez, c'est bon, bah écoutez, c'est lui qui le dit, hein. C'est tant mieux s'il se sent jeune. Mais enfin, bon, écoutez, vous, c'est tellement puéril que c'en est pathétique, je dirais. C'en est pathétique, mais bon, écoutez, laissez-le à ses problèmes de sexe. Qui ne veut pas parler de ça, bien sûr. Non, et vous n'avez pas à lui en parler de. Non, mais bien sûr. Mais Caroline, comprenez-moi, je suis une maman. J'ai adoré mes enfants, je m'en suis occupée 24 heures sur 24. Mon fils aîné, qui a vu les agissements de son père, ma fille, qui sait, et qui m'en veut, parce qu'il paraît que c'était pas vrai, que j'étais une folle, que j'étais... Ils protègent l'image de leur père. Ils protègent l'image de leur père, mais bon, vous pouvez dire, écoutez, ce qui concerne votre vie... affective, amoureuse, c'est votre vie, je ne me permets pas de porter de jugement, je ne me permets pas de porter de jugement sur votre vie, tout ce qui concerne ma vie, ça c'est ma vie de couple, et elle nous regarde, j'ai accepté beaucoup de choses sur la fin de notre vie. À un moment, j'étais malheureuse, c'était au détriment peut-être de mon équilibre psychique. Et voilà, j'ai décidé de me séparer de votre père, ça nous regarde. Et ça montre finalement, on parlait des divorces, c'est toujours dur à accepter. Quel que soit l'âge des enfants, on se rend compte, j'entends à travers les témoignages et on analyse, on entend des enfants de 30, 40, parfois même plus, qui vivent mal le divorce de leurs parents. Ça reste compliqué, le couple parental, il y a quelque chose comme ça qui doit rester un petit peu immuable. Pour conclure, il y a le subversif qui dit « Cet homme a tenté vainement de ne pas assumer la culpabilité de son aventure. Le problème, c'est qu'il tente encore de ne pas assumer tellement énorme peut-être et son sentiment de culpabilité. Et puis qui des deux supporte le moins le divorce? Quelqu'un pose la question. Salomon dit: Mathilde, prenez la gestion d'un cœur neuf et de votre vie en la réinvestissant et en la refaisant. Oui, c'est bien vu, la gestion, puisque Mathilde était beaucoup dans la gestion de l'entreprise, de sa vie familiale. Bon courage à vous Mathilde, l'important c'est que vous vous sentiez mieux au fond de toutes ces décisions prises. Au revoir. Pour joindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Allez, on accueille tout de suite Morad. Bonsoir Morad et merci de votre patience. Je sais que ça fait longtemps que vous êtes que vous patientez au 39-21, numéro que vous pouvez composer puisque nous sommes encore ensemble pour un peu moins d'une petite demi-heure sur Europe 1. Je vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je serais très ravi de vous avoir en ligne et je souhaiterais encourager tout le monde et dire que la vie elle est très belle et qu'elle est bonne à vivre, mais bon, on peut aider pas aussi. Oh, je vous entends pas bien, mais bon, oui. Oui. Alors, Morad, vous vouliez me parler d'une relation amoureuse. Exact. J'ai eu une relation amoureuse qui a duré environ 2 ans et demi. Oui. On s'était rencontrés au lycée, et au tout début, ça a l'air très simple, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. On était des très bons amis, ensuite, ça s'est fait, on s'est très... Allô, Morad ? Bon, on a perdu Morad. Il a pas de chance, Morad. Il a patienté depuis un bon moment et puis peut-être que sa batterie s'est déchargée. Ça serait pas de chance. On va quand même essayer de le rappeler. J'avais un petit message, tiens, de l'écureuil,
Elle a une petite boutade qui dit pour Mathilde, qui dit « Allez Mathilde, soyez une femme cougar, trouvez un petit jeune pour, par rapport à ce mari qui est goujat, qui lui parlait, qui lui disait qu'à 60 ans, il était jeune, et puis qu'après tout, avec son sexe, il avait bien raison de l'utiliser. » C'est vrai qu'elle devrait lui renvoyer un petit peu ça dans les gencives. Mais en même temps, c'est tellement puéril comme réflexion que je comprends qu'elle n'ait pas envie d'aller sur le même terrain que lui. On a retrouvé Mourad ? Vous êtes là, Mourad ? Oui, je suis là. Bon, tant mieux. J'ai eu peur que vous n'ayez plus de batterie. Alors, non. Donc, vous aviez rencontré cette jeune femme au lycée ? Oui, on s'est très rapprochés, on s'aimait énormément. Je sais pas comment ça se fait, mais du jour au lendemain, elle est partie en vacances, elle est partie sans moi, vu que je ne pouvais pas partir à cause du travail. Et au retour de ses vacances, elle m'a annoncé qu'elle voulait plus être avec, moi. Mm-hmm. Et bon, du coup, on a coupé les liens et suite à ça, on se revoyait de temps en temps, mais on va dire on flirtait, mais sans être ensemble. Et à ce moment-là, j'ai voulu être clair avec elle. Je lui ai dit où on se met ensemble comme on l'a toujours été. Oui. Où on coupe entièrement les liens. Et elle a préféré couper les liens. On a coupé les liens. Pendant, ça a duré pendant un an. Pendant cette année-là, je suis tombé en dépression. J'ai été hospitalisé, etc. Tout ça, elle n'était pas au courant, bien sûr. Ensuite, elle a voulu recréer une relation amicale. Je l'ai accepté, mais cette relation amicale, pour moi, elle s'avère qu'elle se transformait en relation amoureuse à nouveau. J'ai pas réussi à rompre le lien. Et du coup, je sais pas si je devrais lui en parler ou si je devrais pas lui en parler. Ça fait 3 ans qu'on s'est quitté. Ça fait 3 ans qu'il n'y a plus rien eu entre nous. Et par contre, je ressens toujours ce sentiment de l'aimer. Simplement. Mais vous n'avez plus de contact avec elle depuis 3 ans. Si, bien sûr, on a gardé. Non, on avait coupé les contacts, mais ça a duré un peu moins d'un an. Non, mais actuellement, là, vous me dites, ça fait 3 ans que c'est terminé. Que c'est terminé la relation amoureuse. Mais oui. Mais vous voulez lui parler de quoi ? Justement, lui dire les sentiments que j'ai, mais j'ose pas l'affronter vu qu'il y a pas très longtemps, il y a 3 mois. C'est là où je me suis rendu compte d'ailleurs que je suis toujours énormément amoureux d'elle. Mmh. Et qu'il y a environ 2 mois de ça. Mmh. Et elle était très mal. Et vu que je suis la personne avec qui elle arrive très bien à communiquer, avec qui elle s'entend très bien, j'ai été l'une des premières personnes à être prévenue. Mis à part sa sœur. Mais elle qui vous a prévenu ? Oui, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle sentait très mal, qu'elle avait besoin de discuter. Je suis allé la voir et elle était tombée en dépression parce qu'elle n'était plus avec son copain. Moi je ne disais rien, je ne disais jamais rien. Elle avait eu des copains, ça me faisait mal au cœur, mais je ne voulais rien lui dire. Je n'osais plus lui montrer mes sentiments du tout. Oui. Et là, elle était plus avec son copain. Elle m'a fait comprendre, mais elle me l'a pas dit directement. C'était ça le problème. Et moi, je n'osais pas affronter la question en elle-même, vu qu'elle était, elle sentait mal. Je voulais pas plus approfondir son mal-être. Mmh. Et vu qu'elle était plus avec son copain, qu'elle arrivait plus à retrouver une relation stable, amoureuse qu'elle avait pu avoir auparavant avec moi. C'est ce qu'elle voulait me faire comprendre, mais indirectement. Elle me le disait pas directement. Et moi, j'ai pas voulu ouvrir le sujet, plus approfondir la chose. Et c'est là où je me suis rendu compte que je tenais énormément à elle, parce que vis-à-vis d'elle, je me devais de me montrer fort pour pouvoir lui apporter du soutien. Et une fois que je la quittais, je me sentais très 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 mal, j'avais très très peur de retomber dans une dépression à nouveau, qu'elle n'était pas au courant bien sûr. Et je ne sais pas au jour d'aujourd'hui si je devrais lui en parler ou pas. Le problème, Mourad, dans ce que j'entends, c'est que, au fond, elle se confie à vous. Vous êtes devenu son confident, son ami, celui à qui elle peut parler comme ça, en toute sincérité. Mais au fond, là, elle s'est confiée à vous. Elle était très mal parce qu'elle n'était plus avec son petit ami. Alors vous, évidemment, ça vous fait souffrir. Et puis en même temps, vous vous dites, tiens, il y a peut-être une possibilité pour moi. Ça n'a rien à voir avec une possibilité pour moi du tout.
Non, c'est pas dans sur ce point-là, c'est que la possibilité pour moi, parce qu'à la base, quand on s'est mis ensemble, elle était déjà avec quelqu'un, elle avait quitté cette personne pour moi. Oui, mais Mourad, la différence entre elle et vous, c'est que cette jeune femme, elle a eu des histoires entre-temps, et vous ? Moi, j'en ai eu, mais j'ai jamais réussi à accrocher du tout. J'ai toujours été franc avec les filles, je leur ai toujours dit que j'avais toujours des sentiments pour l'autre personne. J'ai fait des efforts, j'ai tout fait pour pouvoir essayer de créer une relation avec d'autres filles. J'ai toujours été franc, par contre, avec les autres filles. Malheureusement, il y en a une qui est tombée amoureuse de moi, alors que je lui disais clairement du début, ça a duré des mois. Mmh. Je lui disais du début que oui, j'avais une attirance envers elle, mais que, mais que voilà, j'avais pas les sentiments qui venaient. Mmh. Et finalement, je me suis pris le temps, mais j'ai pas réussi à créer cette relation. Ça n'a pas marché malheureusement avec elle. Mais non, ma question, c'était surtout moi, mes sentiments que j'ai vis-à-vis de la fille que je parle en question. Est-ce que je devrais lui annoncer ou pas? Alors qu'elle était très mal en ce moment, il n'y a pas très longtemps, elle était encore très très mal et que tout doucement, elle commence à s'en remettre. Et quand j'ai vu qu'elle s'en est remis, moi, j'ai préféré pas couper les contacts, mais ne plus être aussi proche que je l'étais avant. Pourquoi, justement, au moment où elle va mieux, vous éloignez Moi, je voyais que, pour moi, je voyais la chose comme ça. Pour moi, elle n'avait plus besoin de moi. Et bon, elle me rappelle, elle me demande de passer souvent chez elle. Moi, j'évite toujours. Je lui dis que vis-à-vis du travail, je ne peux pas. Oui, mais alors, c'est là où c'est paradoxal, Mourad. Parce qu'après tout, pourquoi vous vous éloignez d'elle? Pourquoi vous ne vous ouvrez pas à elle? Pourquoi vous ne lui dites absolument. Peur de la faire souffrir, de lui faire mal. Non, attendez, parce que de souffrance dans cette histoire. Peur de la faire souffrir ou peur, vous, de souffrir? Plutôt elle que moi. Mais pourquoi la feriez-vous souffrir? Allons jusqu'au bout de votre raisonnement. Pourquoi la feriez-vous souffrir? Dans le sens que je vais... Comment dire ça? Qu'elle va être au courant de tout ce qui s'est vraiment passé, que durant tout ce temps, j'ai souffert et que je sais qu'elle est toujours accrochée à moi et que le fait... Vous savez qu'elle est toujours accrochée à vous? Vous en êtes convaincu? Ah non, mais ça, oui. Ça, non, mais on a toujours eu ce lien, oui. Mais après, amicalement ou amoureusement, ça, je ne peux pas vous le garantir. Non, mais est-ce qu'elle est toujours... Ça, il y a un lien très fort entre vous. Oui, maintenant, de quelle nature est-il? Est-ce qu'il est amical ou amoureux? Donc, pourquoi la feriez-vous souffrir? Parce que de deux choses l'une. Soit il est finalement, elle partage le même sentiment amoureux, et auquel cas, si vous vous ouvrez à elle en disant que vous avez toujours, vous êtes toujours très amoureux d'elle, bah, vous allez vivre une histoire d'amour, repartir au fond dans une histoire d'amour, peut-être plus mature, parce qu'entre-temps, vous avez grandi. Je vais vous dire sincèrement, justement, avec les années, avec la maturité que j'ai pris, avec cette relation qui m'a fait énormément souffrir, j'ai vraiment plus du tout envie de reprendre ce risque en même temps aussi. Ah ben, écoutez, oui, mais alors, ne vivez rien, hein, Mourad, hein. Ne vivez rien. Continuez à souffrir dans ou alors, parce que finalement, moi, si je comprends bien, vous vivez, vous me parlez que de souffrir. Alors, vous souffrez en silence. Continuez à souffrir en silence. Vous voyez, vous pouvez aussi choisir cette option-là. Non, moi, personnellement, c'est pas ça. Justement, c'est pour ça que je me suis permis de vous appeler. C'est que j'ai envie de faire le deuil, mais j'arrive pas à faire ce deuil. Pourtant, j'ai essayé d'autres relations, j'ai pas réussi. Mais attendez, vous voyez à quel point vous êtes contradictoire. Vous me dites, est-ce que je devrais lui en parler de mes sentiments? Et puis là, maintenant, vous me dites, je devrais faire le deuil. Alors. Non, je veux faire le deuil. Ah non, je veux faire le deuil. Ça, alors faites-le, alors. C'est-à-dire, ne la voyez plus. Du tout. Plus de relation, plus rien. Mmh. J'ai essayé, ça n'a pas marché non plus. Mmh. Bah parce que vous n'avez pas envie de faire le deuil. Si, mais vous êtes un peu masochiste, hein, Mourad. Vous aimez souffrir. Non, j'ai souffert. Non, personnellement, si vous connaissez une partie de ma vie, je n'ai même pas envie de dire toute ma vie, mais une bonne partie de ma vie, c'est... Je ne vais pas maintenant me morfondre sur mon sort, mais... J'ai souffert pendant de très longues années depuis mon enfance. Ben oui, mais là, vous entretenez votre souffrance, Mourad, parce qu'après tout, vous êtes amoureux d'une jeune fille. Non, mais laissez-moi un petit peu parler. Vous êtes amoureux d'une jeune fille, Mourad. Vous avez, au fond, vous pouvez vous ouvrir à elle de vos sentiments. Vous êtes très lié encore à elle.
Et vous me dites, ah non, non, je ne le fais pas parce que j'ai peur de souffrir de nouveau. Oui, mais il y a toujours ce risque-là quand on est dans une histoire d'amour. C'est-à-dire, maintenant, l'amour n'est pas que de la souffrance aussi. Oui, bien sûr. Parce que j'entends depuis votre histoire beaucoup de souffrance. C'est vrai que le mot souffrance est revenu à plusieurs reprises. Alors là, il y aurait peut-être des choses à comprendre, parce qu'effectivement, le fait d'avoir, lorsqu'elle vous a quitté après les vacances, et au point que vous, ça a été une telle souffrance pour vous, vous avez fait une dépression au point d'en être hospitalisé, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez pu, après être un peu suivi sur le plan psychologique, et comprendre aussi peut-être les raisons plus profondes et liées à votre histoire que vous évoquez, qui ont pu être aussi, que cette histoire d'amour-là a pu réveiller. Est-ce que vous avez pu être un peu suivi et en parler? Oui, j'ai bien suivi, et apparemment cette souffrance venait du fait que j'ai été séparé de ma mère lors de mon enfance. Oui. Et que je me suis rattaché à elle, apparemment. Oui. Ouais, c'est bien ça, non, mais c'est bien ça. Je me suis attaché à elle, et que du fait que je me sépare à nouveau d'une femme que j'aime, oui. L'amour maternel que j'avais plus, j'ai pas reçu un amour maternel non plus, mais j'ai reçu un autre amour qui a compensé l'amour maternel que j'avais plus, oui. Que je trouvais plus. Oui. Et oui, c'est ça, cette femme, finalement, cet amour-là que vous avez eu de cette jeune femme venait un peu réparer cette absence d'amour maternel. Donc quand elle est venue aussi à manquer, c'était de nouveau, ça a ravivé cette blessure première d'absence de mère. Donc ça a été l'effondrement pour vous. Et c'est pour ça, je comprends mieux, que vous avez si peur, au fond, de retourner vers elle aujourd'hui, et que vous avez à la fois envie et que vous n'arrivez pas à faire le deuil, parce que derrière cette notion de faire le deuil, il y a au fond faire le deuil de c'est aussi l'absence de mère, et ça c'est compliqué, l'absence de mère et l'absence d'amour maternel. Vous voyez, donc ça vous freine dans vos relations amoureuses, mais peut-être que tout en continuant, est-ce que vous êtes suivi toujours sur le plan psychologique? Non, du tout. C'est dommage. Pourquoi vous avez arrêté? La personne, la psychologue que je voyais, elle a quitté le milieu où elle travaillait. Mm-hmm. Elle a dû partir dans une autre région, et j'ai essayé de voir d'autres psychologues. J'ai pas réussi à m'entendre comme je m'entendais avec elle. Avec elle. Voilà, et du coup, j'ai pas réussi à retrouver l'écoute que vous aviez avec la première. Voilà, c'était pas la première, j'en avais essayé plusieurs jusqu'à trouver, je puisse trouver la bonne, et là j'en ai essayé même pas mal. J'ai jamais réussi à trouver la bonne personne avec qui je pouvais. Continuez quand même, Mouradjou. Je sais que c'est compliqué, mais continuez. Rencontrez d'autres personnes, d'autres psys. Vous allez forcément à un moment rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous sentir en confiance. Là, vous avez forcément en tête la relation que vous avez eue avec cette thérapeute avec qui vous avez pu parler, avec qui vous vous sentiez bien. Donc, vous comparez, et vous avez bien fait de ne pas poursuivre avec celle que vous avez rencontrée, puisque vous ne vous sentiez pas bien et pas en confiance. Donc, vous avez bien fait de ne pas continuer. Non, clairement, et je voyais qu'elle tombait vraiment, qu'elle commençait à s'accrocher énormément à moi, et que moi, il n'y a rien qui venait. Pourtant, je me suis laissé le temps, je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Vous me parlez, là? De la deuxième personne. De la jeune fille? Voilà, avec qui j'ai essayé, justement. Oui, mais ça, c'est dommage de ne pas laisser une chance à cette histoire, peut-être. J'ai essayé, j'ai tout fait, et j'ai vu que la personne s'accrochait à moi, je voulais pas lui renvoyer l'appareil, que la souffrance que moi j'ai eue, je voulais pas lui donner du tout. Mais écoutez, elle a pas la même histoire que vous, Mourad, cette jeune femme. Donc tout le monde n'est pas dans la même souffrance par rapport à une séparation. Ouais, ça résonne pas de la même façon. C'est la séparation, ça fait partie de la vie, mais simplement c'est douloureux, une séparation amoureuse, mais c'est pas quand il y a eu
vous, ça réveille cette séparation première d'avec votre mère. Donc c'est d'autant plus douloureux. Et c'est pour ça qu'il est important que vous puissiez en parler dans le cadre d'une thérapie. Vraiment. Et comme le dit Isabelle, la séparation que vous avez eue aussi avec votre psy, c'est aussi, c'est encore une séparation. Donc ça fait beaucoup, parce qu'au fond, vous l'aviez investi, cette psychologue, il y a quelque chose qui s'est arrêté, même si c'est pas la... Vous voyez, c'est aussi une figure maternelle pour vous. Ça, c'est pas faux, je l'avais pas du tout envisagé du tout. Et oui, donc c'est douloureux de réinvestir quelqu'un d'autre. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'arrive pas. Justement. Vous avez du mal, ben oui, oui, certainement. Donc, les autres vous paraissent forcément moins bien. Et je crois qu'il faudrait l'aborder, peut-être carrément, quand vous allez voir quelqu'un. Dire, j'avais commencé une thérapie avec quelqu'un où je me sentais extrêmement bien, où j'ai pu dire beaucoup de choses. Et depuis, j'ai... On pose la question, justement. On pose la question et je le dis que j'avais reçu une thérapie qui a duré... Elle avait duré environ un an et demi, quand même. Et oui, c'est... Souvent, ça me faisait énormément du bien dans le sens où il y a des questions que je ne me posais pas, que la psy me posait, que justement ça me faisait travailler, que ça me répondait à des questions que je cherchais de très loin et qu'au final je trouvais les réponses. Et... Non, mais ça m'aidait énormément, mais du coup, j'ai plus cette aide-là. Mais moi, le sujet où je voulais vraiment en venir, c'est... J'arrive pas à faire le deuil, mais il faudrait que je parle avec un psy, tout simplement. Je comprends, mais ça... Forcément, vous n'arrivez pas à faire le deuil, parce que ça renvoie à un autre deuil. Et c'est très difficile de faire le deuil de mère, Morad. Donc tout ça, ça résonne douloureusement. Et c'est pour ça qu'il est important que vous fassiez aider. Peut-être un petit conseil quand vous... Moi, je vous encourage vraiment à revoir d'autres psys et peut-être à commencer en disant j'ai fait une thérapie pendant un an et demi avec une psy que vraiment j'avais beaucoup investi et aujourd'hui c'est très dur, vous pouvez dire pour moi, j'en ai vu d'autres depuis mais j'ai pas accroché. Au moins ils sont prévenus et peut-être que vous dites c'est difficile pour moi de me sentir en confiance et peut-être démarrer là-dessus. Enfin, vous verrez, vous le sentez. Mais en revanche, suivez cette petite voix intérieure. C'est vrai que si il faut vous sentir à l'aise, hein, il faut vous sentir bien. Et qu'après tout, si c'était pas le cas, vous avez bien fait de ne pas poursuivre. Mais donnez-vous cette possibilité de faire plusieurs essais et vous allez forcément rencontrer quelqu'un ou quelqu'une, puisque je comprends que vous ayez envie de voir une femme thérapeute qui va... Mais je m'entends beaucoup mieux avec les femmes. Mais si, vous cherchez, une figure maternelle. Vous allez à un moment rencontrer une thérapeute qui va pouvoir être à l'écoute. Et vous êtes très jeune, hein, Morad, vous avez 25 ans. Donc allez voir. Comment ? Oui, bien sûr, je suis très jeune. Je veux continuer à vivre, bien sûr. Je veux pas. Mais non seulement vous allez continuer à vivre, mais vous allez continuer à. Vous allez essayer de combler. On arrive à combler ce manque. Le cerner et en faire quelque chose. Vous allez pouvoir. On peut avancer, même avec un manque de mère. Vraiment. Merci en tout cas, Morad, d'avoir appelé. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Morad. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21 34 centimes la minute.